Mesdames, Messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires de l'année en cours de l'Assemblée nationale, plusieurs lois ont été votées. Quelques-unes ont soulevé dans l'opinion publique certaines incorrections de langage. Dans un point de presse, le porte-parole du Parlement a tenu à éclairer les populations. La deuxième phase d'affichage de la liste électorale informatisée était au cœur d'une rencontre entre l'ANIP et les acteurs de la société civile. Objectif, permettre aux OSC de mieux comprendre les enjeux pour accompagner le processus électoral. Promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes en matière de gaz naturel et des énergies renouvelables, c'est l'objectif du forum d'affaires qui a réuni les deux parties. Un élément s'y consacre en fin d'édition. Le porte-parole de l'Assemblée nationale a animé ce jeudi 11 octobre 2022 au Palais des gouverneurs une conférence de presse. Il était question pour James William Gbagidi de faire le point des lois votées au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale et d'apporter quelques clarifications au sujet de certaines lois qui ont soulevé dans l'opinion publique certaines incorrections de langage. Le compte-rendu de cette sortie médiatique avec Émeric Okopeli et Prudence Koussouron. C'est une sortie médiatique du porte-parole de l'Assemblée nationale qui intervient au lendemain des 3e et 4e sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2022. Face aux micros et caméras des journalistes, James William Gbagidi, à l'entame de sa conférence, fait un rappel de quelques lois votées par les députés au cours de ces deux sessions extraordinaires. Le gouvernement a fait la proposition ou a pris l'initiative de la création de cette Cour spéciale des affaires foncières et en a demandé la formalisation par voie législative à l'Assemblée nationale qui a donné suite à cette volonté. Nous avons également connu le vote de la loi 2022-17 qui a modifié la loi votée en 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Nous avons eu la loi 2022-19 modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Nous avons connu l'examen et l'adoption de la loi numéro 2022-21 portant modification et complément de la loi 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Dans une démarche pédagogique, le conférencier va s'attarder sur les incorrections de langage liées au contenu de certaines lois. Des incorrections qui ont commencé par insinuer au sein de l'opinion publique une compréhension erronée des dispositions législatives nouvelles, en l'occurrence, celles relatives à la loi numéro 2022-19, modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-14 du 2 juin 2018. Il a été abondamment relayé, vous l'avez vu, vous aussi, dans l'opinion publique, via certains médias et réseaux sociaux, comme je l'ai déjà dit, que dès que cette loi entrera en vigueur, le président de la République serait habilité à suspendre les peines des personnes condamnées dans notre pays. En réalité, la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté ni même aucune autre forme de peine. Ceci n'est pas de son ressort. Il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Ce n'est pas la même chose. Des préoccupations relatives à la loi sur la création de la Cour spéciale des affaires foncières ont été également abordées dans l'exposé du porte-voix de l'Assemblée nationale. Les communes du Grand Nokwe ainsi que Toribosito sont les communes dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre de cas de litiges liés
au foncier. Là où ça démange le plus aujourd'hui, Boumekelavi, Toribosito et autres, quand vous achetez une parcelle, vous n'êtes pas vraiment tranquille. Si ce n'est les dernières dispositions législatives et la rigueur avec laquelle aujourd'hui s'applique le contenu de la loi, on a toujours un peu de doute. La Cour a surtout vocation à régler les litiges domaniaux. Quid de la loi du retrait de l'exercice du droit de grève à certains secteurs? Les domaines concernés ne sont pas seulement le domaine portuaire, aéroportuaire et des hydrocarbures, mais également les domaines de l'eau et de l'électricité. Donc, le domaine de l'électricité. Toutes nos excuses pour cette interruption. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, dans la matinée de ce jeudi 13 octobre 2022, a échangé avec les acteurs de la société civile au sujet de la deuxième phase de l'affichage de la liste électorale informatisée devant servir pour les élections législatives du 8 janvier 2023. C'était l'occasion pour lui de mettre tous les acteurs du processus électoral au même niveau d'information. Le point avec Sir Tossa et Paul Estessa aussi. Dans le domaine de l'identification, notre pays avait un système d'état civil totalement désastreux. Un système d'identification formel peu fiable et très ouvert à la fraude et une liste électorale peu fiable. Voilà l'état des lieux présenté par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, Cyril Goubedji. Mais depuis quelques années, les réformes engagées dans le secteur de l'identification des personnes donnent ses résultats. Le code électoral en vigueur au Bénin a disposé que la liste électorale est extraite de la base de données du RAVIP. Mais c'est une avancée terrible. Pourquoi je le dis? Et vous le saviez, la liste électorale permanente informatisée que nous avons exploitée pour son élaboration a coûté des milliards. Après, on a dit non, il faut toujours l'approfondir. Ça a coûté encore des milliards. Après, on dit non, il faut l'actualiser. Les premières actualisations ont coûté encore des milliards. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons une base de données, nous avons un registre national des personnes physiques. Je pense que c'est un simple geste mathématique. On écrit un algorithme qui demande au système du RAVIP, soit nous, par commune, par arrondissement, par quartier, les noms et les NPI de tous ceux qui ont 18 ans au 8 janvier prochain. C'est ce que le législateur a demandé de faire. Et puis, on le fait. Si on le fait comme ça, on a fini de faire la liste électorale. Point barre. Il n'y a plus de débat. Mais c'est le pays. Et nous connaissons notre pays. Est-ce que si l'ANIP se comportait comme ça, le pays n'allait pas prendre feu? C'est vrai, on va nous dire, oui, mais faites simplement comme ça. On saura que c'est comme ça que vous avez fait. Mais si le pays prend feu, nous n'aurons pas de défenseurs pour dire non, mais ils ont fait simplement comme ça. On va dire, oui, voyez, et c'est pour tricher, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça, on a utilisé telle personne pour atteindre ce maléfique objectif. Nous l'avons dit. Des Béninois ont été électeurs sur la base de la LEPI pendant 10 ans. C'est-à-dire toutes les élections qu'on a organisées dans cette période. Mais c'est des Béninois, nous a-t-on dit. Est-ce que nous ne pouvons pas pousser un peu notre curiosité pour voir si nous, électeurs, dans le cas de la LEPI, puisque nous avons déjà 18 ans, est-ce que nous sommes vraiment dans le RAVIP? Tous ceux qui avaient figuré sur la LEPI et qui ont fait le RAVIP, pour peu qu'ils aient 18 ans au 8 janvier,
sont sur la liste électorale informatisée provisoire que l'ANIP a éditée. Un long exposé explicatif du gestionnaire mandataire de cette réforme a donné lieu à des échanges. Des échanges bien nourris, faits de questionnements, d'apports et de suggestions, ont permis aux deux parties d'accorder leur violon sur plusieurs points. Ces acteurs de la société civile sont donc repartis avec l'engagement d'accompagner le processus en cours. Suite aux échanges avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP, les acteurs de la société civile ont affirmé avoir compris les enjeux et s'engagent à accompagner le processus en cours. On les écoute. Nous avons eu beaucoup d'informations et cela nous rassure et nous permet quand même de passer cette communication à la population pour qu'on sache que les élections à venir, ce sont des élections qui seront vraiment apaisées, ce sont des élections qui ne seront pas contestées. Selon les données informatiques qui ont été mises sur place, il est très important de le savoir. L'ANIP a essayé de nous exposer tout ce qui se fait comme un travail pour l'identification des personnes au Bénin. Sur la base des données de l'ANIP, on peut déjà extraire une liste électorale. Aujourd'hui, je pense que grâce au travail effectué par l'ANIP, ce ne serait plus une liste de façon archaïque, tronquée et autres. Ce serait une liste vraiment sur la base de RAVIP. On est un peu fiers, avec un peu de confiance, mais un peu de réserve. Parce qu'on va d'abord attendre la sortie de la liste, voir si les plaintes que nous avons mises au niveau de RAVIP a été vraiment respecté. Pour nous, c'est que les élections législatives à venir puissent avoir une élection transparente, surtout la paix, parce que c'est ça notre inquiétude. Mais avec le directeur, nous sommes fiers ce matin. Et pour nous, en tant que les acteurs de la société civile, nous allons continuer maintenant à sensibiliser la population sur ces questions à venir. Les organisations de la société civile ont été invitées pour des explications et justement pour entendre les préoccupations et surtout les recommandations. Nous retenons de ce qui a été fait à la réunion d'aujourd'hui que la liste électorale informatisée provisoire est extraite du RAVIP, donc par l'ANIP, et qu'au 8 janvier 2023, tous ceux qui sont béninoises et béninois qui auront 18 ans seront sur la liste électorale informatisée provisoire. Compte tenu du fait qu'il y a tellement de contestations à droite à gauche, aussi bien pour les hommes politiques, les partis politiques que la société civile, que l'ANIP puisse accepter qu'on audite la liste. Cette proposition faite par le FONAC a été acceptée. Et nous attendons justement la mise en œuvre de cette possibilité de faire l'audit de la liste électorale pour donner notre point de satisfaction. Nous avons recommandé au premier responsable de l'ANIP d'écrire à tous les partis politiques pour leur dire qu'ils ont la possibilité de venir faire l'audit de la liste. Cette proposition a été acceptée. Nous attendons donc que la mise en œuvre de cette proposition puisse se faire et que les partis politiques puissent jouer également leur rôle pour ce qui concerne le reste des étapes à franchir pour une bonne organisation de l'élection législative au Bénin pour le 8 janvier 2023. Autre volet de l'actualité, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers le programme d'appui au développement durable du secteur agricole a procédé au lancement officiel de la plateforme sur le système d'information du financement agricole CIFA. Cette plateforme vise à faciliter la production régulière des rapports de performance des SFD dans le domaine de financement du secteur agricole. Reportage. Les acteurs du système agricole disposent désormais d'une plateforme digitale sur le système d'information du financement agricole CIFA. Cette plateforme, intégrée sur les marchés agricoles, vise à simplifier la vie aux producteurs, transformateurs et aux acteurs du secteur. Une initiative qui cadre avec l'évolution technologique sur le marché de l'agriculture et la mutation observée dans l'environnement du secteur de la microfinance au Bénin. Secteur dont la vitalité est un fait marquant dans la sphère financière de l'Union économique monétaire ouest-africaine, mais qui fait face à plusieurs défis.
L'un de ces défis constitue justement l'amélioration de la contribution des systèmes financiers décentralisés à la finance agricole. L'agriculture, qui est un secteur générant 70% des emplois créés et maintenus et participant à plus de 30% à la constitution du PIB du Bénin. Il est un impératif que le financement de l'agriculture bénéficie de leur part d'une attention particulière. Face à la cherté de la vie découlant des entraves à la bonne circulation des personnes et surtout des biens, il se révèle impératif pour chaque pays d'œuvrer à son autonomie alimentaire. Ce financement agricole prend en compte tous les acteurs du secteur dont... Les producteurs, nous avons les transformateurs de produits agricoles, bien entendu. Nous avons les commerçants des produits agricoles et également les prestataires de services agricoles. Financer le secteur agricole, c'est financer le producteur, c'est financer le transformateur agricole, c'est financer tous ceux qui travaillent, par exemple, dans la mise en place des intrants agricoles, c'est financer également les prestataires de services agricoles. Le régisseur du programme d'appui au développement durable du secteur agricole livre ses attentes en ce qui concerne la mise en place de cette plateforme et son fonctionnement. Je veux pouvoir espérer que l'opérationnalisation de cette plateforme facilitera d'une part la production régulière des rapports de performance des SFD dans le domaine du financement de l'agriculture et également des notes d'information sur l'évolution de la finance agricole dans les 7 pôles de développement agricole. Elle permettra également la conduite des études et des recherches dont les résultats seront partagés avec tous les acteurs de l'écosystème des institutions de financement agricole dans notre pays. Pour l'atteinte des objectifs fixés à cette plateforme novatrice, il est prévu la mise en œuvre de quelques approches stratégiques profondément réfléchies. Les systèmes financiers décentralisés sont donc prédisposés à un rôle crucial en matière de financement du secteur agricole. La Journée internationale de la fille a été célébrée en différé au Bénin ce mercredi 12 octobre. C'est la ville de Ouidah qui a accueilli cette 10e édition. Plusieurs prestations ont meublé la cérémonie qui a connu la présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le point avec Melvin Achabi et Ruth Rondjian. Venues de différentes localités, elles sont nombreuses à participer à cette 10e édition de la Journée internationale de la fille. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir. C'est autour de ce thème que s'est déroulée les différentes manifestations par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et ses différents partenaires dans le système des Nations Unies. Cette initiative vise à révéler les talents des jeunes filles béninoises, reconnaître leurs droits et la nécessité de promouvoir leur autonomisation. Chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs. À l'instar des jeunes garçons, les jeunes filles ont le droit à une vie sûre, à une bonne santé et à une bonne éducation, non seulement pendant leur année de formation, mais aussi une fois devenues femmes. Le thème choisi cette année vient répondre aux obstacles auxquels les filles se heurtent dans leur développement et amène à une forte mobilisation pour plus d'investissements dans leur système éducatif. Il est donc demandé à toutes les filles de faire siennes les trois valeurs qui conduisent au succès. L'avenir des filles est tributaire de la reconnaissance et du respect de leurs droits. Je voudrais donc lancer un appel à tous, sans exception, à investir dans l'éducation des filles. Car en éduquant une fille, vous donnez du pouvoir à toute une nation. Quant au gouvernement du Bénin, je voudrais rassurer les acteurs, les partenaires et l'opinion publique que la jeunesse du Bénin en général, et les filles en particulier, constituent les cibles prioritaires du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, qui s'investit sur tous les chantiers pour créer un meilleur cadre de vie propice à leur épanouissement. Aux filles du Bénin, je voudrais vous exhorter, pour répéter le chef de l'État, le président Patrice Talon, à avoir de l'ambition, à être sérieuse et laborieuse. Trois clés qui vous amèneront au succès inévitable. Je voudrais vous demander de ne jamais renoncer à vos rêves, quelles que soient vos difficultés, de toujours persévérer dans le travail en essayant toujours de faire un peu mieux.
Il faut se battre pour avancer. Quelques filles des départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Littoral et du Borgou, ayant terminé avec brio leur formation professionnelle, ont été gratifiées. Au nom de toutes les filles du Bénin, et en particulier celles présentes ici ce jour, ma reconnaissance au gouvernement du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon, pour la manifestation de leur volonté politique à travers des actes concrets et de lourds investissements qui se multiplient ces dernières années en faveur de la jeune fille béninoise. Nous voyons, vivons et bénéficions des efforts régulièrement consentis pour la protection des droits des filles et surtout à la formation, à l'éducation et à l'autonomisation des filles. La célébration s'est soldée par un match de gala 100% féminin avec un score nul sur le stade Omnisport de Ouida. Hors de nos frontières, en Algérie, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé mardi la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie. Objectif, promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes en matière de gaz naturel et des énergies renouvelables. Un reportage de nos confrères de la CGTN française. Suivez. Dans cette conjoncture de pénurie énergétique, l'Algérie est devenue un acteur incontournable en Méditerranée. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le Forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie. L'Europe espère un hiver chaud en concluant un partenariat stratégique à long terme avec l'Algérie en tant que fournisseur de gaz fiable pour combler les déficits d'approvisionnement de la Russie. Intervenant dans ce cadre, la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, a souligné que l'Algérie est un fournisseur important et fiable de gaz pour l'Europe. L'Algérie a longtemps été et est toujours un fournisseur important et fiable de gaz naturel pour l'Union européenne. L'Europe est cependant prête à intensifier encore sa coopération avec l'Algérie, alors que la relation avec la Russie en tant que fournisseur de gaz est déjà rompue de manière irréversible. Nous nous tournons vers de vrais fournisseurs fiables pour combler ce vide. Saluant l'établissement d'un partenariat stratégique à long terme avec l'Union européenne, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a souligné que le dialogue permanent entre l'Algérie et l'Union européenne a pour objectif de renforcer la sécurité énergétique et de faire la promotion des énergies renouvelables, notamment dans le contexte de pénurie énergétique dont souffre l'Europe. Ce forum se tient dans une circonstance particulière caractérisée par de multiples évolutions économiques et géopolitiques qui fait que la question de l'énergie occupe le devant de la scène sur la scène internationale comme l'un des principaux moteurs du développement des économies des pays. Pour sa part, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a appelé les entreprises européennes à contribuer pour augmenter la production de gaz algérien. Nous avons parlé de comment développer les infrastructures et développer les explorations et comment présenter les programmes algériens en soutenant Sonatrach, en développant le domaine minier des hydrocarbures, en développant les explorations et l'exploitation, ainsi que les moyens qui soutiennent ce processus. Les experts estiment que ce partenariat entre l'Algérie et l'Europe, qui permettra une augmentation des exportations de gaz vers l'Union européenne, devrait également bénéficier à l'Algérie. Ce forum est d'autant plus important que les besoins énergétiques en gaz pour l'Union européenne sont importants suite à la suspension des livraisons de gaz venant de Russie pour tous les pays européens. Donc, qu'est-ce qui est attendu de ces pays européens vis-à-vis de l'Algérie ? C'est un investissement beaucoup plus important, un investissement qui pourra déboucher sur l'intensification de l'effort exploration et aussi de développer les gisements de gaz actuels de manière beaucoup plus efficace. L'Algérie, qui fournit à l'Europe environ 11% de ses besoins en gaz, vient d'annoncer le démarrage de la production de gaz dans deux nouveaux champs
qui joueront un rôle majeur dans l'augmentation des exportations de gaz algérien vers l'Europe au cours de la période à venir. Elle a souligné que cette réalisation permet d'atteindre un taux de production journalière d'environ 1 million de mètres cubes de gaz et 4000 barils de liquide associés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin, et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin, tout simplement. Bon début de week-end à toutes et à tous. ETélé avec vous, pour vous.